pour nous capables de dire, Seigneur, merci pour ça que le fait pour nous. N'est-ce pas? On va toujours prier pour Ashley, la fille de la sœur Maggie. N'est-ce pas? Toujours prier pour Madame Jacques. Toujours prier pour sœur Bébette. On ne va jamais songer, on ne va jamais oublier. Et ses trois enfants, n'est-ce pas? Et ses quatre enfants. Et aussi le petit Zaphir, le petit Zaphir à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. On va prier, premièrement, pour l'église là. Dimanche prochain, tu as aimé tout le monde là. Be on time. Be on time, it's a blessing. Amen. Try to be on time. And the Lord will reward you. Amen. Si vous avez fait ça, c'est pas moi-même que. Mais c'est le Seigneur va bien. Nous comptons avoir Michelin encore. Nous comptons avoir Lashley. We are happy to see them. And nous comptons avoir tout le monde là. Si nous avons commencé à dire, nous comptons avoir Thibaut, my daughter. Nous comptons avoir Frère Wall. Nous comptons avoir Pastor Elot. Nous comptons avoir Frère Joseph. Nous comptons avoir Sœur Mireille. Nous comptons avoir tout le monde. Sœur Manta, Sœur Yves, Sœur Maggie, Bob, France, Auxilia, Sœur Annie, n'est-ce pas? L'équipe, tout le monde vient nous comptons avoir où? Frère Sheldon, quand on fait effort, you did a lot of effort to come to play. Thank you for playing the keyboard because sometimes I think nobody think about me, but you did a big effort to come. But make a little effort to be on time. You, David, you are in Brooklyn. You, my son, Shannon Rasson, I will appreciate you. Do your best because I'm going to invite people that I'm teaching. So when they come here, you need to be on time. Amen. So we will say tout musicien ça yo de ce capable et ce nous mona de ce capable. Thank you. Et nous pas une autre annonce que la fête seulement dimanche prochain et sœur Mireille a dirigé pour nous. Non. Ou sœur Mireille a dirigé et frère Joseph a fait les tubes pour nous à la gloire de Dieu. Pasteur Wilson Hippolyte et pasteur Villa nous pas la veille hier soir. Yo, voyez salutation pour tout le monde à la gloire de Dieu. Parce que vous avez dit, priez pour lui. Next year, il t'a remis là dans le réveil. Là. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Priez. La prière est le bras qui remue le bras de celui qui gouverne les cieux et la terre. N'est-ce pas? Depuis nous prier, la prière est une force. Parce que c'est le prier. Amen. Nous souhaitons que mon Dieu capable de bénir. Son apôtre et service encore à la sœur Mona, à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On a chanté le numéro 37, créole, chant d'espérance à la gloire de Dieu. Section créole. Gain lumière, l'âme jodia, avec gloire, puis grand passé. Thank you.
C'est bon Dieu, c'est bon Dieu.
C'est parce que tu souffles là. Amen. Et tu souffles pas là. Je dis toujours, mais maintenant, au mot qui a pour vice SN, il vous verra militaris. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retournes encore la poussière. Nous pas en rien. Nous, je ne veux pas quitter ça. En nous vivre en union. En nous voter beaucoup, qui va dans nos louanges, parce que nous voulons louer mon Dieu. C'était tes frères. Nous parlons côté cancer. Amen. Amen. Nous parlons louer mon Dieu. Et si vous critez dans le ministère là, qui permet que nous là, avec à l'accord de Dieu. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous voulons que tout le monde va compter. Nous allons être libre de vous. Amen. Que tu nous parles, mon bon Dieu. Pour tout ça, le faire pour nous. Pour la semaine. Amen. On ouvre le champ d'espérance dans le 136 français. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec toi le Seigneur.
Jesus, say what? Jesus, say what? I've never.
Avant que nous passions à Pasteur Yvonne, nous avons hier, pendant toute la journée devant l'église là, où tu es capable de voir ballons de toutes couleurs et tu as un fruit, tu as une photo, c'était une fundraising qui t'a fait pour Haïti. Et ça, c'est Pasteur Samuel et Sœur Valérie. Je t'ai passé toute journée là pour capable pour tout le monde qui est dans le besoin. Et moi, je crois que l'église n'est pas prête à besoin. Amen. Amen. Tout le monde dans le besoin, ça, vous t'ai fait, c'est pour capable de ramasser pour tout le monde qui n'est pas qu'à l'école en Haïti. Amen. Et toi, c'est vraiment un blessing. N'est-ce pas? Et tout le monde dans la zone, on est content. Et puis, tu as servi tout une évangélisation pour l'église là. Amen. Pendant que le pasteur Samuel a trouvé cette même opportunité pour être capable d'inviter. Mon Dieu, et toi, tu es blessé. Amen. Amen. Et c'est sous cette démenti, nous invitons le pasteur Samuel Cambry à prier pour nous, pour le messager du jour. Allons, ferme les yeux, nous, pour prier pour toi. Tant que Père Céleste, nous vous remercions pour grâce et privilège vous accorder nous. Pour nous ensemble, Seigneur Dieu, dans ta présence. Moment arrivé, Seigneur, côté. Nous râler, tendez le message de la parole de Dieu. Et nous demandons tant pour éternel. Ben nous un cœur qui est vraiment réceptif à ta parole. Et que Saint-Esprit ou Seigneur Dieu. Capable d'illuminer les pensées nous et que la vie nous capable de changer, transformer et transformer au Dieu pour toujours. Béni serviteur, pasteur, Lord Seigneur qui va prêcher, même gens qu'on a habitué à servir avec l'éternel, n'a pas le temps pour lui. Utilisez-les. Pour que le peuple soit capable de bénir et bénir sa vie. Nous avons prié au Père, au nom de Jésus, notre maître et notre sauveur. Amen. Habacuc 2, verset 20, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fascinante devant lui. Et n'avons-nous pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses? Et pourtant, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans laisser emporter par le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Chers amis, vous allez garder un silence autour et dans vous pour écouter le serviteur de Dieu. Maintenant, chers amis, nous avons ainsi l'honneur de vous présenter le révérend Elon Matelust. C'est lui qui va nous délivrer le message du jour. Pasteur Elode, vous avez le micro. Chers frères et sœurs et amis, la paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous. Amen. Nous comptons pour nous capables ensemble et nous espérons que bon Dieu va continuer à bénir nous dans le message parolé qu'il va confier nous dans la journée ça. Ou même qui l'a, ou même qui a écouté, disposez cœur ou capable de partager ensemble avec nous la parole de Dieu. N'a pas demandé pour faire un petit camp avec nous, s'il vous plaît. N'a pas lu dans Proverbe chapitre 26 et le verset 27. Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Amen. Amen. Mon qui fouille un trou, le capable de tomber là-dedans. Et puis mon cap, vous voyez sous mon, le chat qui a retourné sur lui. Vous êtes avec vous? Mon capou les roches là pour faire tomber son monde, il est capable de tomber en retour sur lui-même. Nous t'arrêtons
parler un peu de poids émotion dans prise décision nous. Le poids de l'émotion dans notre jugement et plus particulièrement dans notre prise de décision. Le poids de l'émotion dans notre prise de décision. Nous pas parler trop parler de l'émotion, mais n'a plus prendre quelques exemples dans la Bible pour nous capables montrer gagner quelques décisions ou prendre avec émotion qui gens sont capables venir après. Est-ce que décision prend li a un avantage ou bien pas un avantage? Émotion c'est une vertu que bon Dieu créé nous avec lui. Li affecté sentiment nous en pile fois. Là nous dit affecté sentiment nous selon genre et intensité émotion hein, et li capable rend nous pas content, li capable rend nous content. Il y a des moments en bas émotion moun ri en pile. Il y a des fois tout en bas émotion moun pleure en pile. Et puis dans quelques situations surtout moun qui gagne possibilité qui gagne droit pour yo décider. Et bien, vous comprenez quelques décisions en bas émotion, et puis décision est capable de contester après, ou du moins non seulement contester, mais capable de tourner à l'encontre de monde qui te prend décision. Par conséquent, nous avons gagné trois points nous avons partagé à partir du sujet qui dit le poids de l'émotion sur notre prise de décision ou bien dans notre jugement. Premier point que nous faisons ensemble, il dit, tu te condamnes toi-même lorsque tu condamnes sans pitié les autres. Tu te condamnes toi-même lorsque tu condamnes sans pitié les autres. Nous prenons l'exemple de David dans la Bible pour nous capables d'élaborer ce premier point. Ça. Deuxième point que nous faisons, il dit, tu te rabaisse toi-même lorsque tu abaisses les autres. Tu te rabaisse toi-même lorsque tu abaisses les autres. En pile fois, l'on pense que c'est mon nom abaissé et puis ou qu'on baisse tête tout plus bas que niveau ta vle baisser mon nom vle baisser injustement. Donc comme ça, nous gagnons nous va prendre amant dans Esther chapitre 6 verset 6 à 11 pour nous capable élaborer pour deuxième point ça. Et troisième point enfin, c'est va, tu te lèves toi-même au nu. Tu t'élèves toi-même au nu lorsque tu élèves les autres. Donc, en pile fois, le ou a levé moun, l'or prend moun pour moun, ça fait ou même ou même plus moun. La paix avec vous? Amen. L'or considéré moun pour moun, l'or voulait lever moun sans pas rendre compte si t'es pas ou à lever. Pendant que vous voulez baisser ou même pour lever le monde, ils sont par rencontre, bon Dieu, à lever. Nous allons prendre l'exemple Joseph pour nous capables d'élaborer ce point. Ça. Nous tout dit, comment nous allons dire, c'est si toutefois il y a un monde qui peut finir tant de messages là, au moins il est capable d'aller avec point, yo, même là pour développer. Sujet a dit, c'est le poids de l'émotion dans notre prise de décision. Premier point, tu te condamnes toi-même lorsque tu condamnes sans pitié les autres. Deuxième point, tu te rabaisses toi-même lorsque tu abaisses les autres. Et troisième point, c'est tu t'élèves toi-même au nu lorsque tu élèves les autres. La paix avec vous, chrétiens? Amen. En nous avancer, non, tu te condamnes toi-même lorsque tu condamnes les autres sans pitié, ou bien lorsque tu condamnes sans pitié les autres. C'est 2 Samuel, chapitre 12, verset 5 à 9. Vous connaissez trois serviteurs, ça très bien. C'est David. En pile fois, c'est la vie de l'homme. Nous gagnons des hauts et des bas dans
la vie nous. Des fois, nous connaissons un niveau bien élevé. Et pourtant, des fois, nous descendons bien bas. Un chrétien n'est pas capable de descendre trop bas pour devenir homme animal. La paix avec vous. Mais des fois, nous connaissons quitter homme spirituel pour nous descendre.